Mon nom est Mathieu Potier, copropriétaire d'Acura Trois-Rivières et fier client de Cogeco depuis 20 ans. En fait, c'est incroyable comment la technologie a influencé l'automobile parce que auparavant, les gens avaient plus ou moins accès à de l'information. Alors, ils partaient magasiner un véhicule puis ils devaient faire 4, 5, 6 concessions automobiles. Ils ne savaient pas toujours les modèles que certains manufacturiers offraient. Aujourd'hui, avec Internet, c'est plus ça. On rentre nos critères, on sait exactement qu'est-ce qui répond, on fait une présélection. Alors, le consommateur, aujourd'hui, fait une à deux visites pour vraiment confirmer que le véhicule répond à ses besoins, qu'il se sent bien lorsqu'il est au volant, il se sent en sécurité. Le concessionnaire doit offrir un environnement qui est sans reproche parce qu'il n'y a pas de deuxième chance. Les évolutions technologiques qu'on a fait ici sont quand même assez majeures, que ce soit au niveau des équipements mécaniques pour s'assurer en fait qu'on est en mesure de satisfaire notre client rapidement et efficacement, jusqu'aux commodités. Quand je parle de commodités, bien, les clients qui viennent ici ont un réseau Internet sans fil dédié à eux avec une rapidité qui est sans prétention, assez déroutante, puis une couverture qui est très grande, donc qui va même aux limites, au-delà des limites du bâtiment. On a dû se doter d'un système de gestion de la clientèle, gestion de la concession, qui est tout info-nuagique. Alors, je ne peux pas me permettre que le goulot d'étranglement sur mon efficacité soit ma bande passante, la rapidité de mon Internet. Pour répondre aux besoins du client, on a offert un Internet dédié par fibre optique à 100 Mbps. Ensuite de ça, on a relié les deux sites qu'ils avaient à Trois-Rivières avec une fibre optique dédiée aussi pour permettre un échange rapide des données. Notre mandat à nous, c'est vraiment de concevoir la solution qui va répondre le mieux à leurs besoins. Est-ce que c'est de centraliser? Est-ce que c'est de distribuer dans deux sites? On va vraiment rencontrer le client, avoir une approche personnalisée pour vraiment lui concevoir la meilleure solution. Je vais avoir l'assurance que peu importe le développement qu'il y aurait, j'aurai une vitesse constante. Cogeco avait un réseau de fibres qui était vraiment, en fait, le plus avancé. C'est simple. Vous avez des garanties que vous êtes prêt lors de l'ouverture et vous étiez abordable, plus abordable que les autres. On s'entend encadrer. C'est un fait naturel.